monde, on est reparti sur du Sapiens et on démarre la journée avec un petit peu de pluie. Alors dans cet épisode, j'aimerais déjà terminer le premier bâtiment. Ok, je sais, on peut faire des routes. Ah, c'est qu'il y en a une qui a été construite. Non, même pas. Non, c'est juste qu'ils ont commencé à faire la construction. Bah, on va voir comment ça va tourner. Alors cet épisode peut être un petit peu spécial. Je me suis blessé dernièrement en bricolant ou en sauvant un gamin qui traversait la route. Peut-être, je ne vous dis pas lequel. Et du coup, là, je suis sous quelques médicaments un petit peu forts qui contiennent de la morphine. Donc, on m'a prévenu que je risque de m'endormir et autres. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Et donc, je suis toujours là à l'appel hein, pour vous faire des vidéos et vous distraire. On va voir comment ça va se passer. Mais soyez gentils avec moi. Bon, alors, là, on a toujours notre petit trou que je veux boucher un moment. Parce que je sais pas comment le faire, mais il va falloir le boucher. J'aimerais terminer la construction. Est-ce qu'on peut prioriser? Je ne pense pas qu'on peut prioriser la construction. C'est pas grave. Ouais, et j'ai mis deux lits à l'intérieur. Alors là, il ne manque rien, d'accord, là il ne manque rien. J'ai demandé suffisamment de branches. Côté nourriture, ouh, on n'a plus de nourriture. Alors on a CB, mais je n'ai vu personne en manger pour le moment, donc ouais, est-ce qu'on a... Oui, là, ok, alors on récupère ça. Et là-bas il y a des orangers. C'est ça? Ah, mais c'est peut-être un petit peu loin de là-bas, c'est peut-être celui-là on les... Non, celui-là on les a déjà dépouillés. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres buissons. Là, on a un système qui permet de voir les buissons à proximité. Celui-ci. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais j'aimerais l'avoir par défaut, vous voyez, pour trouver une ressource, ça serait encore mieux. Ouh là, il y a pas mal de branches, j'ai l'impression. Bon, bah, on va devoir... Ah, bah non, là. Oui, lui, le village. Ok, ça, c'est bon. On va amasser les baies, là. C'est bon. Comme ça, ils vont avoir de quoi manger. En plus, c'est dans la direction du chemin. Donc, s'ils font le chemin, ils vont pouvoir l'atteindre plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça, c'est le toit. D'accord, d'accord. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Créer une route de transfert. Alors, il y a ce système de route, mais ce n'est pas tellement utile. On peut faire route 1, ajouter un arrêt. Alors, je ne sais pas trop. L'arrêt, ça va être quoi? Ça va être ça. Et je peux mettre un autre stockage. Mais... Okay. Donc on fait le transfert pour être franc. Je pense pas que c'est vraiment utile. Ah bah d'ailleurs il a ramassé tout ça, il va l'amener pour le toit. Mais bon, ok, c'est fait. S'il le faut, on va, une fois que le transfert est fait, que la quête est terminée, on va arrêter. Donc du coup ça va être utile quand on va peut-être développer différents villages à différents endroits. Ah, ça ne fait pas de chemin parce que personne n'a le job. Ah, d'accord. Alors rôle. Ah, faire des outils. Ouh, ça, c'est important, ça. Ok, on va en mettre deux dans ça. Et je vais retirer... dans le bâtiment. Allez, on va en retirer deux. Ok. Et alors, poterie. Ah, creuser, ça serait... Ça, pour les routes? Peut-être ça, pour les routes, hein. Ouais, on va mettre... Et Namula. Et Uludjine. Très bien, Uludjine. Mais il faut plus de monde encore. Il faut plus de monde. Donc maintenant que j'ai du monde dans ça, on devrait voir les nouveaux chemins arriver. Ah. Très bien. Transfert a été fait. Ok. Et il me demande... Ah, si, il les mange. Il les mange. D'accord. Et t'es pas tombé malade ni rien? C'est Xav qui a testé. Xav, il a pas de famille. Ah non, c'est juste qu'il n'y a pas encore le module famille dans le jeu. Alors tiens, d'ailleurs, au passage, on m'a demandé quelles sont les nouveautés de cette version Early Access par rapport à la démo. Le développeur m'a dit qu'en dehors de quelques bugs et quelques petits ajouts mineurs, on a en gros ce qui était déjà disponible dans la démo, seulement on n'a plus le timer, vous rappelez que la limite de temps pour le développement du village. Et du coup, bah, on peut tout voir maintenant, et dans le passé, c'était juste impossible. Allez, hein. C'est continu. Ah oui, voilà, c'est bien ce boulot-là. Par contre, ouais, c'est lent. Hein. J'espère qu'ils vont gagner en compétences dans ce domaine. Et que ça allait plus vite. Parce que là, ça prend plusieurs saisons hein, pour faire tous les segments de route. Ouh, et deux ne vont pas suffire. Ah, toi tu ramènes. Hop. Super. Par contre, du coup, j'aurais préféré qu'elle bosse sur ce segment-là pour pouvoir aller là-bas plus vite. Et ouh. Le dernier segment, et là, ça y est, c'est fini. Oh, la maison est construite. Génial. Génial. Alors, du coup, je crois qu'on peut pas déplacer. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, hop, on est combien? Alors, on va en faire... Alors, on va se mettre comme ça.
3. Je crois qu'on est à 7. 4. 5. 6. J'essaie de le faire propre. Et il y en a un qui va dormir à l'envers. Ok. Je crois que le coussin... je crois que le coussin est... Et, oh, je les ai tous mis à l'envers. Je sais pas. Bon. Ouais, donc là, on devrait avoir ce qu'il nous faut. Et côté paille, on commence à être un petit peu limite. Donc on va détruire ça. Comme ça, ça a encore, encore plus les motiver à construire l'autre. Qui est à l'intérieur. Donc... Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on peut accueillir quelqu'un d'autre. Super, donc j'attends vraiment une nouvelle arrivée. Ah là ils ont presque fini. Ok, ils ont planté deux... C'était quoi? C'était des pommiers? Je sais plus ce que j'ai planté. Peut-être c'est des orangers. Ça c'est quoi ça? Ok, ça c'est... Ils ont planté tous les buissons de baie. Et il reste deux arbres fruitiers à planter. Oh, ça va plus vite que je pensais. Ok, il y en a peut-être qui sont meilleurs que les autres, ou peut-être c'est les outils qu'ils utilisent. Tu n'utilises pas la pioche? On a une pioche. Alors. Pickaxe ça. Ok, tu vas m'en faire deux. Oh, voilà, deux. Et toi? Tu vas m'en faire... Un de plus, comme ça, on en a besoin. Ouh, ça plus vite que je pensais. Je pense qu'ils doivent sortir les bons outils. On est bon à l'intérieur? Ouais. Alors, ça fait face à ce côté-là. Je sais pas ce que ça veut dire. Enceinte? Soit elle est enceinte. Ouais, elle est enceinte, elle. Hein. Ou elle a mangé plus que les autres. À mon avis, elle est enceinte. Ah, je peux pas sortir par la fenêtre. Donc, on a une nouvelle arrivée qui ne va pas tarder. Par contre, je sais pas si... Comment ça se passe? Est-ce qu'elle a deux semaines de repos? Comme... Non, à cet âge, je me dis, non, tu fais le bébé, tu vas direct... Chercher les baies et bosser. Ouais, ça va beaucoup plus vite avec... Ah ouais, ça change absolument tout, la pioche. Ah, il m'en faut plus pour faire des chemins plus rapidement. Pourquoi tu lâches la pioche? Regarde, va la reprendre. Bon. C'est l'heure de faire dodo. Où est le petit monde? Où est-ce que vous êtes? Ok, là j'en vois quelques-uns. Ils sont super. Je vous ai envoyé là-bas. C'est quoi ça? Ah, c'est pour les branches, ok. Ouh, regardez la nuit. Super. Et donc je vois que là on a des haches qui arrivent. Là on prépare la pioche. Là on prépare... des boules de fil de lin et là c'est les têtes de pioche, donc je vais peut-être mettre de nouvelles zones. Hein, c'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'était. Alors où est-ce que je peux te poser? Je peux te mettre là. On va en mettre deux de plus. C'est pas terrible hein, le positionnement à cause du trou. Ah, c'est quand ils vont dodo et quand, d'accord. Donc avec ça, les deux là, je vais peut-être pouvoir faire de la poterie et autres. Ah, et donc là, je crois que l'on va avoir le 10e segment pour valider la quête. Parfait. Je commence à manquer un petit peu de cailloux. Je me demande, est-ce que je peux leur demander... Ouh. Ah, c'est un... D'accord, je pensais qu'il fallait une pioche. Ouh, construire avec du bois. Donc, on va viser cet arbre-là. Ah, t'as des branches. On ramasse les branches d'abord et après, on le coupe. Là, c'est bon. Non, non. Ah, j'ai demandé de faire un truc. Oh, oh. Qu'est-ce que j'ai retiré? J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Ça, de la poterie. Parce que faut juste de l'argile. Et c'est quoi, le... Un balafon? Oh, c'est pour de la musique. Ok. Alors, on va avoir besoin d'argile, j'en ai là.
Allez me chercher ça. Hop. Voilà. On est toujours en route vers là-bas. Et là, l'enquête est en cours. Génial. Je me demande s'il y a d'autres types. Oh, non. Ok, c'est du silex. Ouais, toi, on a récupéré les branches? Ouais. On va te couper. Normalement, on a une hache. Oui, on en a là. On a même trois. Est-ce que j'ai du monde qui coupe les arbres? J'en ai un. Qu'est-ce qu'on peut faire? Assembler les outils, planter. On a besoin que d'une personne qui va planter. Construction, investigation, peut-être. Juste 3. Diplomatie. Ok, toi. On en retire un. Voilà, bon, alors. Du coup. En bûcheron. Alors, pourquoi il y en a en jaune? Ah, parce que. Ok, parce que t'es enceinte. Toi, t'as le max de tâches. Ah ouais, d'accord. Teko, c'est un enfant, il peut pas manier une hache. D'accord, on est limité. Bon, c'est pas grave. Pas grave. T'es sûr que tu veux couper du côté là? Parce que là. Là, dans la logique, ça tombe vers là-bas, non? Ouais. Il a bien une hache en main. Oh non, il a un caillou, mais. Pourquoi tu n'utilises pas la hache? On en a 3? Même plus? On a plein d'haches! C'est Xav, d'accord, je comprends. Il est... À chaque fois que je clique sur un bonhomme, c'est Xav. Et là, on est en train de. Ouais, c'est bientôt fini. Je me demande si elle va finir de péter le caillou ou quoi. Allez, on approche, là, on approche. Allez! Allez! Regarde, ouais. Poum, oh. Petite crotte. Le rocher a fait une crotte. Alors, ah, maintenant on peut miner. Ok. Ça, c'est quoi? Ah, tu as déjà ramassé. Ah, ouais, bah, en gros, ils m'ont dit que l'on peut mettre des manches en bois sur les têtes d'outils. Mais, ok, pour faire un balafon, il faut 3 citrouilles. Et des branches. Ok. Ah bah on va annuler ça et on va voir est-ce qu'on a d'autres. Non, on a les mêmes outils qu'avant. Hein. Alors les citrouilles. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. J'en avais à côté, mais on les a bouffées. Donc voilà. Et elles sont un petit peu petites, donc pas facile à trouver. Faudra en planter nous-mêmes plutôt du coup avant de les utiliser pour faire un balafon. Si j'en trouve quelque part. Je pense que j'ai probablement dû en rater. Ouh. Ok. Bon. Pas grave, on attendra la saison suivante. Hein. Je pense que c'est pas urgent. Je pense que c'est pas urgent. Est-ce que je peux pas venir là et dire. Ouais, remettre. Remettre de la terre. Allez. Je vais voir si je peux faire remonter ça. C'est parti. Alors les rondins. Ah t'es toujours en train de. Ah ça y est, ok, parfait. Du coup. Utiliser pour décorer avec des rondins. Il me demande de couper un rondin. Et je sais pas comment ça se fait. Est-ce que ça se fait de là? Ouh, des briques. Ouh, bah tiens, tu vas m'en faire 2. Ok, ça c'est pas jouable, on n'a pas encore les bonnes choses, mais je vois pas comment péter un rondin, le couper en 2. Ah, c'est de là. Ok. Il faut que ce soit dans le stockage apparemment. Allez, regarde ce qu'on peut faire avec ça. Pour un scientifique, pour savoir qu'on peut le couper en 2. J'ai une équipe de champions. Ah, alors, est-ce que je continue? Ouais, c'est loin. Hein. Ouais, est-ce que j'ai assez de cailloux? Au moins aller jusque-là.
Voilà. Et toi. Et il faut mettre des bonhommes dans le boulot miné qui est là. Ah. Ah, problème. Les personnes dans la poterie. Ok, on peut mettre les deux là. Mettre un seul même. Il me faut libérer quelqu'un qui est un adulte et ben toi. Je te peux te mettre en mineur toi. Ouais. Ok. J'ai l'impression que je peux mettre Piwi, mais je pense qu'il sera pas efficace dans la tâche. Bah ça va vite hein. Ça va vite. Je vais envoyer le monde chercher un peu plus de nourriture. Toi toujours en train d'étudier ton rouin. Petit trou par-ci. Petit trou par-là. Ça. Faire les briques. Il faut quelqu'un au rôle. Oh non non. J'ai toujours mes briques. Il faut quelqu'un dans le rôle poterie, bien entendu. C'est un enfant, apparemment. Il peut bosser là-bas sans problème. J'entends un petit bruit, j'appuie entrer. Non, ça me... non, c'est juste la musique. Ah, alors. Ok. On ralentit. J'appuie sur entrer. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors. Pause. Recruter. Recruter. C'est les deux. Oh, si je peux avoir ces deux là, ce serait génial. Alors. Diplomatie. On en a 6. Ok. Ça c'est un des miens ou... C'est Piwi, ok. C'est un des miens. Est-ce que je peux augmenter la priorité de la diplomatie? Je peux pas l'augmenter. Ah, rapprochez-vous de mon endroit, s'il vous plaît. Quoi? Il est creusé là. Ah, c'est Piwi qui va tenter? Ah! Oh, ils ont rejoint notre entrée. Ok, donc là, il me faut... Ok, c'était vraiment simple, en fait. Et du coup, bah, il faut un lit de plus. Là, mais je vais en mettre plus qu'un lit de plus. Voilà. Et là, on a plus de main-d'oeuvre, ce qui est génial, parce que j'étais un petit peu à court. Donc, pour miner, bah, on peut te mettre toi... Poterie, tu vas y aller. Ça, on va mettre trois. Planter, on va mettre un deuxième. Voilà, et après je les retirerai s'il le faut. Autant utiliser au max hein, la main d'œuvre. Toi, toujours en train d'étudier ton rondin. Et on a cette petite fille qui nous fait notre brique. Et on va l'étudier, je vais peut-être pouvoir faire des murs en brique. Breakthrough. Le moment Eureka est presque là. Je crois qu'on est vraiment... Oh! Ah, elle s'est arrêtée juste avant! Ok, bah c'est lui qui va avoir le... le droit d'être crédité. Parfait. Et... Ouh. Alors. Donc on a débloqué quoi? Un log drum, donc un tambour de rondin, quand même. Et un rondin coupé. Alors. Très bien. Donc là, ils veulent un mur... En déco. Alors peut-être qu'il faut étudier. On va attendre que ce soit stocké ici. Voilà. Et on va étudier les planches. Ok. Et du coup, va falloir couper. C'est moi ou on l'avait déjà coupé cet arbre? Ah, c'est un autre arbre qui a dû repousser. Donc ramasse les branches. Ramasse d'ailleurs les branches autour.
Et on va couper ces arbres à nouveau. Le bambou. Le bambou, je sais pas si je l'ai étudié, tiens, au passage. C'est peut-être quelque chose que j'ai complètement zappé. Ah, et oui, ils ont rempli là, donc c'est revenu à une forme plus ou moins normale. Ah ouais, c'est quand même plus agréable, là. Faudrait également le faire là. On a besoin d'un de terre. On va l'obtenir loin, ici. Je vais me creuser et m'obtenir de la terre. Et on va remettre ça tout plat pour que ce soit plus joli, quoi. Oh. Quoi, ça? C'est rien. Si le monde se réunit pour discuter. Oh, il regarde les enfants. On les protège. Ouh, et là, ça me dit qu'on ne peut pas miner parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Alors, je sais pas combien de temps on va durer. Le rocher, là. Est-ce qu'il est à l'infini? Dans quel cas, ben, je vais mettre une lampe. Comme ça, si quelqu'un veut miner la nuit, il peut le faire. Et alors là, j'ai l'impression que pas tout est construit, là. Et tout le monde se couche, c'est bien quand tout le monde se couche. Ouh. Skybox. Ok, quand tout le monde dort, ça accélère. Et là. Est-ce que je mets une torche à l'intérieur? J'ai peur de mettre feu à ma maison, quoi. Voilà. Alors. Donc toi, tu bosses sur la route. Ouais, encore un petit peu de boulot. Ah non, mais ça fait du bien d'avoir plus de main-d'œuvre. Tellement de bien. Est-ce qu'ils ont creusé? Où est-ce que j'ai demandé le trou? On le voit pas, là. Il va me falloir peut-être faire sécher un peu plus de... Ouais, on a plus de paille. On va en avoir besoin. Donc on va demander pour la paille... On va le faire un peu plus loin cette fois-ci. C'est pas ça que je veux. Voilà, ça me laisse pas sectionner la paille. Ah voilà. Ok. Ah, quelqu'un a pris la compétence poterie. C'est Usulosa. Est-ce que c'est toi? Ouais, c'est elle. D'accord, donc théoriquement... Ouh, nos premières briques. Nos premières briques. Et on peut les utiliser... Je sais pas pourquoi. Ok. Je vais attendre que ça sèche. Et que ça soit stocké quelque part. Bah, d'ailleurs, on va rajouter du stockage. Hop. Plus de ressources. De stockage. Voilà. Et donc du coup, est-ce que je peux venir là? Encore. Peut-être attendre que ce soit sec. Est-ce qu'ils ont fini de... Non, toujours en cours d'investigation. Là, ça déblaye. Là, ils ont creusé. Et du coup, ils ont rempli l'endroit là. Parfait, on est revenu quasiment plat. Ça, c'est top. Ah, c'est vraiment cool de pouvoir terraformer comme ça. Je me demande si on peut faire des gros trous vraiment profonds, genre. Est-ce que je peux cliquer là? Ouh, je peux continuer de creuser, ouais. Peut-être on peut faire des collines, genre se faire un château, vous voyez, en hauteur. Ah, les possibilités. Ah, ça y est, les briques sont sèches. Alors le problème, c'est que je crois qu'il va bientôt pleuvoir, donc je vais lancer l'enquête, ouais, l'investigation tout de suite. Et là, on a presque... Ah, ok, tu préfères... T'occuper de la brique que de la planche. Oh, ça s'est calmé. Allez, elle reprend. Ah, quelqu'un a appris à lui... Ouh. On a découvert les bâtiments en bois maintenant. Donc on a débloqué tout ça. Les escaliers. Ouh. Ouais, par contre, va falloir... un paquet de planches. Alors, j'ai demandé... Ouais, donc vous allez venir là. Couper l'arbre. Couper l'arbre. Couper l'arbre. Va falloir les replanter plus tard. Donc avoir des bâtiments plus résistants, je pense, c'est une bonne idée. Là, on peut même faire des bâtiments à étage. Et là, ils prennent bien les haches, on est d'accord. Ouais. Ça va être beaucoup plus rapide.
Ah alors c'est top quand tout fonctionne. Eh, j'ai pas vu de bug hein, dans cette version du jeu, il me semble. Donc ça, c'est cool. Notre paille sèche, c'est bon. On a un petit peu poterie. Je refais le tour un petit peu de toutes ces choses. Pour voir si on a quelque chose qui peut mener vers une nouvelle technologie. Non, on est bon. Hein. On est bon. Ah, ils ont fini le caillou. Ah, et ils ont fini ça. Bah, du coup, vous allez passer à la suite. Voilà. Et on continue le chemin. Vers là-bas. Parce que ça, ça va être utile. Pour aller là-bas. Ça nous donne une idée de ce que ça a donné, ça. En bois, je pourrais peut-être faire un mix. Un mix bâtiment. En briques et... Genre... Si je suis... Oh, je peux pas le remplacer. Ah, là, ça met en jaune, sûrement, car le poids n'est pas suffisant pour le support. Alors, je me dis, on va faire une petite maison en briques. Que l'on va mettre là. Ralentir un peu le temps. Voilà. Ça va être pour le stockage de ressources. Donc pas de fenêtre. Parce qu'il faut que ce soit isolé. Comme ça, 4 sur 4. Peut-être un peu plus grand que je souhaitais. C'est au final la même taille que l'autre, c'est un problème, non. Ok, on va faire plus petit. On va faire plus petit. Parce que c'est pas comme si on avait un max d'argile dans le coin. Voilà. Voilà. Ok. Je pourrais peut-être mettre ça pour un étage futur. Voilà. Pas mal. Alors, quels sont les problèmes là? Ok, il faut un paquet de briques. Donc, on va en faire une cinquantaine. Même en mettre 36 là, voilà, 50 là-bas. Et il faut trouver de l'argile. Voilà. Ça, ça va être stocké. Il faut de l'argile ailleurs. Ah! Citrouille. Alors, on va la ramasser et on va la planter. On va en faire un petit endroit pour toi. Ça, c'est également de l'argile, je pense. Ouais. Il n'y a rien d'autre dans le coin. Ça va, il y a pas mal d'argile à la surface, au final. Ah, quelqu'un a appris à miner, sûrement. Celui-ci. Oh. Qu'est-ce que c'est, ton prêtre? Ouh, faim. Ok, pas mal de gens ont faim. J'ai négligé la nourriture, ça, c'est pas une bonne idée. Et du coup, je pense que ma citrouille va être très vite ramassée et utilisée. Autre chose. Et je pense que je vais avoir besoin de stockage pour la nourriture. Ah,
Allez-y, ramenez-moi ça et ramenez-le vite. Voilà. Manger. Ah. Ça, t'as pas un peu de retard? Ouh, ça, on en a besoin, ça. Voilà, ok, on va essayer de le faire. Oula, ils ont vraiment faim. Vraiment, vraiment faim. Donc, je vais demander de récupérer tout ce qu'il y a là. Et également... ici. On voit que dalle. Ah, il y a des poules. Oh. C'est quoi le... ah, ok, il faut attendre la journée pour pouvoir dompter les poules. Parce que les poules, c'est une nouvelle source de nourriture, ça, donc... tout le monde a mangé. Ouais, ils ont ramené. Ils ont ramené ça, là, c'est parfait. Donc ceux qui ont vraiment faim, bah, vont manger maintenant. Ou vont manger à la maison. Oula, c'est dangereux, hein, si on ne fait pas gaffe. Ouh, quelqu'un vient d'apprendre la chasse, peut-être, en domptant la poule. Vous avez tué la poule, ou... est-ce qu'elle est morte? Je sais pas si elle est morte, la poule. On va voir. J'aurais aimé la dompter, pour être franc, hein, mais... bon, si on doit la tuer... Ouais, ok, elle est morte. Alors, faut pas tuer toutes les poules du coin, mais... ah, j'ai pas de chasse. La première est gratuite, la première poule est gratuite, et après, il faut des lances. Ok. Et là, ils font quoi? Branches. Alors, on va devoir pouvoir récupérer des branches là-dessus. Ça fait quelques temps que j'en ai pas ramassé. C'est pour ça que j'ai laissé ces arbres à proximité intacts. Pour les branches. Voilà. Et maintenant... je vais faire toi. Ça va utiliser des briques. On va te mettre là. Ça va utiliser des briques, mais je me dis, ah, on pourra faire des briques plus vite. Ah. Des mud. Des briques de mud. Ce qui utilise bien l'argile. Et d'accord, du sable ou de la paille. La paille, on en a. L'argile, bon, on a un paquet de briques là en fait. Ok. J'espère qu'ils vont commencer par ça. Ce serait top. Parce que ça, ça met du temps à finir quoi qu'il arrive. Là, il y a beaucoup d'argile là. Et allez le stocker. Est-ce qu'on va chasser du lama? D'ailleurs, est-ce qu'on peut cuisiner la poule? Non. Faut quelque chose d'autre. Donc je peux pas manger la poule, donc peut-être pas les chasser en fait. Ah, ils ont commencé à poser les briques. Il en faut juste 6. Sèche. Et là, on en a 3. Et la première lance, même la deuxième lance, est faite. Mais ouais, à nouveau, par contre, si je peux rien faire avec la... ah, peut-être que je peux la dépecer. Ah, oui, 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 il faut dépecer avant. Bah, du coup, on va demander de chasser un lama. Ouh, non, juste le... ok, à nouveau. Faut étudier comment le tuer, c'est ça. Étudie-le avec la lance, ça sera plus rapide. Et là, qu'est-ce qu'il manque maintenant? Ah, qu'il n'y a personne dans le rôle. Mode brick building. Ah ouais, du coup, va falloir retirer du monde. Dans les bâtiments basiques. Voilà, on va passer à des bâtiments plus développés maintenant. Wood building, ça viendra plus tard. On va mettre les deux là. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il retire l'herbe avant de mettre le sol. Ben, ça va me faire de la paille en plus.
Si quelqu'un va venir qu'on sera là. Ah, quelqu'un maintenant peut chasser. Ah, c'est ceux qui ont étudié là. C'est moi où il avait une lance dans les fesses. Et maintenant, il faut quelqu'un d'autre qui peut chasser. Oh là là, mais on est limite hein, en monde. Il me faut trouver d'autres personnes. Ah, la diplomatie. On n'a pas besoin autant de monde dans diplomatie. Voilà. Chasseur. On va en mettre un. Bâtiment de bois. On va en mettre un. Je pense que je peux mettre comme les gamins. Hein. Si ça me laisse mettre les gamins. C'est juste que je pense qu'ils sont moins productifs. Dans le domaine. Un pili, tu peux aller là-bas. Voilà. Et on a pété le caillou là. Voilà. Et donc maintenant récupérez la lance que vous avez laissée là et finissez-le. Pas d'autre. Non, rien. Rien non plus. Ah. On va voir ce qu'on peut faire avec. Ah, ils l'ont déjà tué. Donc ils le ramènent. Parfait. Ils sont encore en train d'étudier la poule. Le poulet. Je vais voir si je peux également faire la même chose. Ah, cuisiner la viande. Ok. Ah, ok, ça tient encore. Donc je suppose que ça se fait là. Non. Est-ce qu'on a... Ah, je sais pas comment. Peut-être qu'il faut la viande avant. Terminer de faire le dépeçage. Ok. Et ça continue de construire là. Et là, on est quasiment bon. Juste un petit peu de main-d'œuvre. Là. Ah, donc, ça, c'est important pour le futur de notre civilisation. Parfait. Parfait. Maintenant, est-ce que je peux faire cuire ça? Ouais. Alors, bah fais-le. Dès qu'on a de la viande à cuisiner, faites-la cuire. Pour le moment, en tout cas. Est-ce que j'ai pas un meilleur moyen? Ils n'ont pas débloqué un meilleur moyen. Okay. Toi, tu vas finir là, j'espère. Et le mur, là, continue de progresser. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque de... De l'argile, hein. Ouais. Ah, à nouveau, on a fini. Ça, ça a été ramassé. C'est quoi? C'est du... C'est pas de l'argile, ça. Ok, c'est des rochers. Rochers. Alors, je vais demander à nouveau un peu plus de nourriture. Et là, on a un petit peu d'argile. Mais c'est pas énorme. Ça ne va pas me permettre de finir. Est-ce que ça, ça a été compris dans le... Okay, on va les remarquer. S'il est fou, non, rien, c'était pas compris. D'accord. Et là. Par contre, ça commence à être un peu loin de la base. Hein. Mais ouais, on a la route. On a la route. Il n'est pas encore terminé, je pense. Je sais pas. Quand c'est blanc, c'est quoi? C'est un début de segment ou est-ce que c'est terminé là? Ouais, c'est terminé, d'accord. Ici. Toujours pas fini. Il y a peut-être un trou que j'aimerais boucher plus tard. Là aussi. Faut le remettre au même niveau. Ouais. On va voir ça. Ah, presque fini. Allez, allez, je compte sur toi. Ah non, il part. Ah, il avait faim. Mais elle prend le relais. C'est fini? C'est bon? Ok, alors il faut l'allumer. Ok. Fais-nous de la viande. Ça, c'est cool parce que maintenant, même en hiver, je pense qu'on peut chasser
et obtenir de la nourriture. Voilà. Et avec toi. Il sait pas ce qu'il faut. Ok, je suis un peu déçu là. Je m'attendais. Ah voilà, c'est plat à nouveau. Ah ok. Hop. Enquêté. Et donc voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a vraiment bien progressé. On a les murs. Ouh, on a fini le. On a fini le. Voilà. Bah donc du coup, une fois que ça c'est là, je vais déplacer le stockage à l'intérieur. Parce que je veux un endroit fermé pour la nourriture. Regardez si je regarde là. Pourri dans quelques jours à l'extérieur. Je suppose que ça va être considéré à l'intérieur, même si on n'a pas de porte. Donc, ouais. Donc voilà, merci à vous, puis bah, je vous dis à bientôt, et toujours, pensez au petit pouce bleu, petit commentaire, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye!